Et ouais, je fais le con, les amis. Salut à tous, amis, c'est Letko. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte de Seasons Afterfall. Voilà, tout simplement. Donc, attendez, je vais baisser un peu mon casque. Baisser le son de mon casque, comme d'habitude. Hein. Vous me connaissez. Voilà. Là, je m'entends parler. Donc, les amis, c'est un jeu indé édité par Focus Home Interactive et développé par Swing Submarine, voilà. Et qui est sorti hier le 2 septembre 2016. Un jeu qui est sur PC, Linux et Mac et sur Steam. Steam, il est à, en ce moment, il est à 12,74$. Donc, ça fait, ouais, peut-être, ils vont convertir le dollar en euros, donc on est 13€. Donc voilà, pour ce jeu où on va incarner peut-être un renard, je crois. Parce que dans les différents artworks, on a vu un renard avec un ours, voilà, avec des yeux verts, etc. Donc voilà. Alors oui, vous voyez, continuer parce que j'ai fait quoi, 2 petites minutes pour voir si tout se passait bien. Donc les paramètres, on a plein de langues, donc français, sous-titré, français, retour, on a les contrôles. Donc contrôle, on a que 2. Touche, enfin même 3 on va dire. On a sauté, jab, chappé et pouvoir des saisons. Donc pouvoir des saisons avec le R1. Donc je joue avec la manette PS4. Hein, donc on se réfère avec tout ça. Vidéo. Ok, donc là on met tout à fond. Le jeu n'est pas gourmand en ressources. Voilà. Donc je vous laisse. On va mettre jouer. Voilà, 0%, donc on a 3 slots, on peut supprimer, d'accord. Eh ben, supprimons, on va, voilà. De toute façon, vous avez dû voir, j'ai fait 0% du jeu, donc voilà. Donc, on se retrouve après l'intro. Voilà, j'ai même coupé l'intro pour pas me spoiler. Donc, à tout de suite après l'intro. Donc on est back les amis, on est in-game. Donc là, le petit tutoriel, on contrôle cette petite orbe lumineuse, voilà, avec le stick gauche. Racine, voilà, premier chapitre qui s'appelle Racine. Donc je me suis arrêté là, moi, j'ai regardé un petit peu. Donc je sais pas s'il faut les toucher, les trucs. Voilà, donc là, tu jabs. Donc bien évidemment, le jeu a des grosses références, on dit, enfin, des grosses références, il fait tout de suite penser à Ori in the Blind Forest, que j'ai terminé, que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé, qui n'était pas facile. Et même dans la sonorité, tout ça aussi, il y a quelques, comment dire, il y a quelques tonalités qu'il faut penser tout de suite à aussi à Unravel, le jeu de EA, que j'ai terminé aussi en Let's Coplays en plus. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui ont vu toutes les vidéos, ça vous surprend pas. Donc je pense qu'il faut tout toucher. Hein. Faut toucher tous les autres orbes. Voilà. Et tu jabs avec le carré. Donc carré X et R1. Voilà, tout simplement. Ça va être nos deux seules commandes. Ok.
cas, en termes de bruitage, c'est assez joli. C'est très bon. C'est très très bon. Même les pas du comment dire du renard. Ils ont été très très fidèles à la réalité. Ça fait plaisir. Il y a eu un travail fait quand même dessus. Même au niveau graphique, vous avez pu voir, on dirait vraiment des comment dire des. Je crois qu'il faut les éviter, non? Il y a eu vraiment un gros travail fait. On dirait vraiment une toile en pastel, en peinture. Franchement, c'est assez joli quand même. Allez, ouvre-moi le chemin, toi. Voilà. Prendre le courant d'air. Même l'ambiance avec le souffle, plutôt bon. Ouais, y a vraiment des grosses références à Ori quand même. Ori que j'ai beaucoup aimé, franchement. Il m'a fait péter des câbles. Oulala. Je suis mort? Non. Apparemment non, je ne suis pas mort. Apparemment, le jeu, d'après les premiers retours de ce que j'ai pu voir sur internet, le jeu serait très court. Ouais, le jeu serait très 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 court. Ah, enfin, te voilà. T'en as mis du temps à te réveiller, petite graine. Si les gardiens étaient là, ils te mettraient sûrement en garde. À force de dormir autant, tu pourrais bien un jour te perdre dans tes rêves et ne plus jamais te réveiller. Ouais, c'est exactement ce que diraient les gardiens. Mais t'as de la chance. Aujourd'hui, c'est moi qui t'accueille. Et je suis beaucoup plus jeune qu'eux, donc je te ferai pas la leçon. Cool. Tiens, notre deuxième invité arrive plus tôt que prévu. Voyons de quoi il s'agit. Petite graine, en l'honneur de cette journée particulière, je te présente ton cadeau. D'accord. Renard sauvage. Bah, c'est mieux que rien, j'imagine. J'aurais préféré un animal un peu plus malin, un peu plus beau. Un loup, peut-être. Mais bon, tu sais quoi? C'est gentil pour le renard. Donc je pense que c'est ça. En fait, je pense que cette graine, comme elle l'appelle, c'est ça qui nous permet de contrôler, je pense, le renard. Le renard et l'ours. Qu'on a pu voir dans... Pas trop près, tu vas l'effrayer. C'est à lui de venir vers toi. Ouais. Comme ça. Maintenant, attire-le au centre du sanctuaire. Ah, ok, d'accord. Jusqu'au centre. Elle m'a pas expliqué qu'il fallait appuyer sur carré. Hein. Prêt encore. Qu'est-ce qu'il est mou, ce renard. Parfait. Ne bouge plus, petite graine. Je m'occupe du reste. Vas-y. Voilà, vous avez vu, ses yeux ont changé. Hein. Et voilà. Maintenant que t'as un corps, tu vas pouvoir aller rendre visite au gardien des saisons. Moi, j'ai pas le choix, je dois rester ici. Alors, par où commencer? Ok. Ah oui, je sais. Si tu suis ce chemin qui monte à l'est, et que tu t'aventures au-delà des hautes herbes, tu apercevras l'orée des bois. C'est là que se trouve le gardien de l'hiver. D'accord, à l'est, il à droite. Il possède quelque chose dont j'ai besoin, et il n'y a que toi qui puisses aller le chercher. Tu comprendras de quoi il s'agit quand tu le verras. Ok. Je préfère te laisser la surprise. Ok, si tu veux. La maniabilité est plutôt bonne, avec le renard. Les bottages sont bons. Hein. Et aussi, il y a eu un effort fait sur les doublages. Hein. Donc, le jeu n'est pas doublé qu'en français. Il est doublé en anglais, allemand et italien, je crois. Si je dis pas de bêtises. Allez, le cirque. Allez, va, petite graine.
cours, saute, profite de ton nouveau corps. Tu ne peux pas te perdre, je garderai toujours un œil sur toi. Bon, on peut pas se prendre. Donc le moteur graphique du jeu nous fait tout de suite penser à au moteur graphique de Ubisoft, hein, le UbiArt, hein, tout de suite. Hein. Avec différents scrolling dans la même veine que des Rayman. Attendez, je vais baisser un peu le son. Un peu forte quand même là. Attendez. Ah oui, c'est vrai que c'est avec échappe. Paramètres audio. Voilà. C'est un peu fort. Voilà. Ou non, vous savez quoi? Attendez, je vais mettre à fond puisque je fais mes réglages avec. Voilà, à fond. Je fais un réglage ensuite. Ok. Ah, il y a eu un petit trait. Pour nous indiquer le chemin. Les gardiens des saisons. Donc en fait, il doit avoir 4 gardiens. Hiver, automne, printemps et été. D'accord. Ça, je m'en doutais. On va monter, hein. Tout de suite penser à Sonic le truc, hein. Mais bon, s'il faut monter là-haut et que je peux pas aller plus haut, ça sert à quoi en fait? Attends, je vais monter. Pas attraper ça. Et Queen. Ok, bon, on va y aller quand même, hein. Ça, il grimpe pas, ça c'est un peu dommage qu'il grimpe pas. Ok, bon, pour l'instant je pense qu'on peut rien faire d'autre parce que bon, on vient de commencer l'aventure, donc peut-être au fur et à mesure voilà, au fur et à mesure on va débloquer des compétences, je pense. Allez, ouvre-toi. Je m'en doutais. Fallait bien que ça arrive, le fail. Enfin, jusqu'à. Hop. Voilà. Bon, ça va, il s'est pas rétracté. Voilà. L'animation du renard est bonne, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Même à l'écran titre, hein, j'aime beaucoup comment il a été fait là. Coup de pinceau comme ça là, c'est non c'est bien. Ancêtre. Tu vois cet totem sur le chemin? C'est le gardien de l'hiver qui les a sculptés. C'est spécial. Mais bon, avec d'aussi grosses pattes, ça doit vraiment pas être évident. Ne lui fais pas trop de commentaires là-dessus quand tu le verras, ça pourrait le vexer. Ouais, il y a des stèles comme ça aussi dans Ori. Dans Ori The Blind Forest. Il y a des grosses références à Ori. Je sais pas s'ils ont déjà joué à Ori, les mecs. Je pense pas. Le gardien adore dormir entouré de ses totems. Suis-les et tu trouveras sa tanière à coup sûr. C'est dommage que je peux pas rentrer là-dedans. Dans ce nid là. Ok. Pour l'instant, j'ai un peu perdu. Ces champignons ne font rien. Ouais, j'ai comment pour monter? Là-dessus? Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était un décor d'arrière-fond. Ou derrière plan tout simplement. Il y a des petits éléments du décor qui bougent, ça fait plaisir.
J'aime bien la voix de la narratrice aussi. Continue. Pour l'instant, je run un petit peu. Ne me dis pas que je vais te bloquer. Apparemment, c'est pas le bon chemin. Il faut que je retrousse mon chemin. J'appuie sur R1 des fois, peut-être. Qui a le pouvoir des saisons. Hop. Par contre, il y a un petit temps de latence quand le renard saute. Géronimo ! Non. Ça, c'est pour revenir, d'accord. Mais bon, le temps de latence, ça va, il est pas méchant. Et après, je fais quoi après? En fait, je sais pas où aller, là, je suis perdu. Elle peut pas m'aider, la fille, là. Je me suis perdu là. Après j'ai plus de plateforme là. J'ai plus aucune plateforme. Ah purée, ça commence déjà super bien. Par contre, tout à l'heure quand je suis... Ah attends. Mais là, je suis déjà allé là. Ah, mais après, j'ai plus rien après. Plus de plateforme. Ouais, celle-là, elle est trop haute. Franchement, je suis perdu là. Je suis complètement perdu. Continuer tout simplement. Ils ont des drôles de tête ces champignons. Ouais, il faut continuer, je crois. Ah bah non, je suis coincé. Attends, on va essayer de monter, on va voir si on peut monter là. À ce moment-là. Je suis complètement perdu. Ça commence bien, je suis perdu. Ça commence bien. Ah bah voilà, il est là lui. Débloque-moi le chemin, s'il te plaît. Mais je suis pas passé par là tout à l'heure. Comment j'ai atterri ici, moi? Ah oui, c'est lui le gardien. Oui, on le voit dans la miniature, vous avez dû le voir. Ce bon gros ours, vous avez vu, vous voyez les coups de pinceau. Je pense que c'est peut-être avec Unity qu'ils ont dû faire le jeu. Ah oui, lui, il a déjà le pouvoir, lui. Ah, c'est peut-être là que je récupère le pouvoir. Les saisons. En tout cas, vive les jeux indés. Hein. Moi, je suis un grand, grand client des jeux indés. J'aime beaucoup. Ok, donc il m'a donné une orbe. Réveille-toi, gros plein de soupe.
je te suis. Je sens que t'es sur le chemin du retour, petite graine. Avec le fragment d'hiver. Je crois qu'il essaye de communiquer avec toi. En jappant, tu devrais pouvoir le faire réagir. Tu peux japper deux fois de suite s'il est un peu dur de la feuille. Ouh, d'accord, on est passé en mode hiver maintenant. D'accord, il va falloir switcher. D'accord. C'est quoi la différence? À part bien sûr l'aspect graphique. D'accord, donc le pouvoir de l'hiver, ça me permet de... Bah écoutez, on va... Ah, attends, j'ai un trop... Voilà. Oh putain. Ok, merci. J'ai même pas fait exprès. J'ai vu qu'il y avait une sorte de trampoline là. Un ressort. C'est joli hein, l'hiver quand même hein. Pas mal hein. Les feuilles. Je crois qu'il faut que je me remette en mode mode été, je crois. Voilà, tu le fais une fois. J'ai du mal avec le saut, hein. Il y a un temps de latence là, des fois c'est un peu saoulant. Voilà. Allez, remets-moi en mode hiver. Continuons. Moi je te suis, hein. Je pense qu'il va ramener jusqu'au sanctuaire, je pense. Vraiment, tu m'impressionnes. T'as été plus rapide que je le pensais, malgré ton renard. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Bon, j'en ai rien à foutre du truc. Le fragment se dirige vers le sanctuaire. Voilà. Surtout ne perds pas de je m'en doutais bien. Faut que je monte là-dessus. Voilà. Ah bah voilà, il s'agrippe, finalement. Je te suis, hein, petite graine d'hiver. Joli, hein. Très, très, très joli. Bon, allez, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là pour la vidéo découverte de Seasons After Fall. On dirait un... Afterfall, on dirait un... Ah, purée, bien joué. Bon, de toute façon, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Voilà. Allez. Voilà. On va s'arrêter là, après cette cinématique. Y a rien d'autre. Rien d'autre. Ouf, ouais, je sais pas. Vous avez dû entendre mon fils se faire gronder, mais c'est pas grave. Ce moment, il veut pas trop dormir. C'est pas grave. J'imagine que le gardien de l'hiver t'a rien dit. Bah non. Ah, il faut l'excuser. Il est toujours très fatigué. Et un peu ronchon aussi. Ça reste entre nous. T'inquiète. C'est même à cause de son mauvais caractère si les animaux évitent de rentrer dans cette forêt. Donc non, donc la orbe va contrôler que le renard. Tu sais, les gardiens peuvent paraître sages, mais ils sont surtout très vieux. Si vieux qu'il leur arrive de dire n'importe quoi. Bon, heureusement qu'ils sont là pour protéger les fragments. Il faudrait juste qu'ils apprennent à s'en séparer.
Ah ouais, d'accord, je sais ce qu'il faut faire. D'accord. Ok. Donc là, il va falloir que je... Voilà. Par contre, j'ai pas de truc pour sauter. J'ai pas de ressort pour sauter. Qu'est-ce que c'est que ça? Première énigme. Ok, d'accord. Si tu veux. Voilà. Donc là. Magnifique. J'ai oublié qu'il fallait sauter dessus. Allez! Que je passe ça. Voilà. Voilà. Allez, balance ta purée. Ah oui, ils sont liés, d'accord. Je viens de voir la racine là. D'accord, ils sont liés les... En fait, c'est un bouton quoi, sorte de bouton. Allez, on remet en mode été. Voilà. Bon, on va bientôt arriver au sanctuaire. On va bientôt arrêter cette vidéo aussi. Voilà, le sanctuaire, très bien. Allons-y. Si apparemment, si tu me dis que je ne crains rien, je te fais confiance. Bon, je vais devoir te séparer du renard. Le fragment peut réagir violemment lors de la fusion. Je vais faire bien attention, mais ça reste un processus dangereux. Ok. Ce serait plus prudent que le renard reste à l'écart. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de neige par ici. Maintenant, c'est l'hiver pour de bon. Eh ben, en voilà un qui n'aime pas beaucoup les cérémonies. Tu devrais reprendre possession du renard avant qu'il s'échappe. Ce serait préférable, en effet. Par contre, où est-ce qu'il est? Je m'en doutais bien qu'il était là. Tout simplement. Donc maintenant, je pense que... Écoute-moi bien, petite graine. Il existe 4 saisons, 4 gardiens. Si tu fusionnes avec les autres saisons, tu pourras les invoquer librement. Voilà. Mais pour ça, il nous faut des fragments. Le deuxième gardien habite un marécage plus loin vers l'ouest. Je préfère te prévenir. Celui-ci ne se laisse pas approcher facilement. Alors tâche de te faire discrète. Ok. On va avancer un petit peu avant de se dire au revoir, les amis. On va se mettre faire là, sur le sanctuaire. Voilà, donc c'était la vidéo découverte de Seasons After Fall. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, moi j'aime bien. Donc je vais le continuer. J'y aura très certainement une vidéo review dessus. Et voilà. Donc je vous dis à très 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 bientôt sur letcohd.com, sur mon Facebook, mon Twitter et sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Pour vous abonner, pour ne rater aucune vidéo, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Je vous laisse. À bientôt.